Chers amis, bonsoir, bonjour. Ici, c'est Claude Mancuso avec l'autre émission. Première émission de 2019, c'est Mosaïque, une émission que on peut me la suivre depuis longtemps sur YouTube, sur ITTV. Et vous connaissez une émission côté deux belles garçons à Pchita à parler de tout et de rien. So, l'autre belle garçon qui vient avec Jodia, que m'ont invité, c'est bons amis moins, Georges Satie. Bienvenue, Georges, à 2019. Bon, bonjour Claude, merci pour bienvenue. Hein. Et je me souhaite que 2019, après un 2019 solide, une belle 2019, que tout le monde a une solution et la bombe pour tout le monde. Et mon a content de rentrer dans 2019 là parce que quitter le passé derrière, quand tu as une pile tristesse, et nous voyons l'ouest s'écouler, on a un espoir. Et nous avons un espoir et ouais, que tout va régler pour tout le monde pour 2019 là. Ça, c'est un souhait que nous tout le monde gagne, c'est certain. Mais, bah, pas semblé facile. Si vous regardez Haïti, depuis l'année dernière, depuis des fois rencontré, j'ai l'impression que le pays a continué à descendre et descendre, que pression vient très fort. Bon, mon analyse de qui j'envoie à Haïti, jeudi, depuis la dernière rencontre. Haïti a souffert depuis longtemps d'un problème de leadership, d'un problème d'hommes. Pas vraiment des leaders, des gens qui sont intéressés réellement à entrer dans le gouvernement. Son bon, ça relève en Inde, bon goumen, ça veut dire les corrompus, les voleurs, les bandits, les criminels. Son bon goumen qui a géré le pays. Hein. C'est poche seulement qu'on connaît. Ils n'ont pas respecté personne, ils n'ont pas de pitié pour personne. Ils pensaient qu'ils ont fait ça, ils voulaient, gens ils voulaient, leur ils voulaient, que le pays, c'est papa qui a quitté le pour eux. Nous remarquons qu'il y a des gens qui finissent voler, qui finissent craser le pays, et puis ils ont tout audacieux, ils ont demandé pour tourner encore comme président. Ils voulaient venir président encore. Alors, moi, je pense que pour le changement en Haïti, en 2019, nous parlerons pour un côté pour le changement brutal, même pas les violences, pas prêcher violence, parce que toute vie, nous avons fait violence, il n'y a pas de rien. Faut faire une vraie révolution, comme au Brésil, côté arrêter toute bonne volée, ça, qui comprennent son paquet d'affaires, il n'y a pas rien, son bon lâcher, n'arrêter. Juger et faire remettre comme là. Parce que sous tuer, sous bouler caillou, ou pas résoudre rien. C'est détruire ou détruire bagaille qui pour pays. Ou détruire ça yo fin construit. Alors prenez pour l'État avec kay ça yo que nous prenons confisquer, qui l'a mis bon goût men yo. N'a pas prenez yo, faire retourner l'école. Faire un bagage avec eux qui est utile au pays à demain. Pas aucun pays qui est éternellement fait pour l'entrou. Ça est arrivé en Chine. Mao Tse-tung est venu, il a dérogé ça. La Chine, c'est la deuxième puissance mondiale. Dans 3 ans, la première économique mondiale. Et son pays qui a eu une relation diplomatique avec elle depuis longtemps. Parce que Taïwan est un pays. Mais comme leadership nous, son leadership sous-sous, un leadership reste avec, un leadership vacabon, un leadership esclave moderne qui sans honte n'a accepté pour nous continuer à Taïwan, tandis que l'autre pays, où est-ce qu'il faut quitter ça? Vous parlez du Brésil. Dernière fois où tu as parlé, nous étions en période d'élection, et effectivement, Bolsonaro, un Italien, j'ai l'impression que c'est d'origine italienne, oui, Tancum, qui vient président. Et c'est un monde que, effectivement, où tu es prédit, que y a une étiquette comme un extrémiste de la droite, et effectivement, dérivé au pouvoir, qui genre où est présence lui. Bon, moi-même, Bolsonaro, pour moi, son même appuyé en pile, son grand leader lié. Bien que la presse nationale du Brésil, la presse internationale, la presse européenne, la presse américaine contre lui, il y a bien menti sur lui. Son nèg qui décidait, son nèg honnête, son nèg intègre. Imaginons un nèg qui fait 25 ans au Parlement brésilien, il vaut 500 000 $. Il va même vaut 1 million de dollars.
le président de la Cour suprême du Brésil, un noir, le premier noir à être le président de la Cour suprême, Joaquim Barbosa, qui t'apparaît ton bon vol, hein. Monsieur a dit que c'est le seul politicien honnête qui l'a payé. Hein. C'est la première fois dans l'histoire que un monde fait une campagne électorale sur WhatsApp, Facebook et YouTube. Parce que la presse est tellement contre lui, tellement baillement sur lui, tellement là. Parce que, il dit qu'ils sont racistes. Mais qui est raciste, il est capitaine de l'armée, il est un caporal noir qui t'a coulé dans le lac profond. C'est lui qui est entré, il était très dangereux, il a sauvé caporal noir. Alors, on est raciste, on va le sauver noir, qui a coulé. Number one. Number two, il dit, on ne va pas contre qui, Jean, pour me raciste, contre qui race, parce que Bopem, son nègre, il est tellement noir que il est bleu. Alors, je ne sais pas qui j'aime raciste là. Après, on dit que monsieur sont homophobiques, qu'il pas vrai ou est homosexuel. Ce n'est pas vrai, pas ça, monsieur dit. Monsieur dit qu'il compte pour pas prendre 6 mounes dans l'école à l'âge de 4 ans, 5 ans, que son bain normal pour deux petits garçons à boyoun l'autre. Mais, pendant la fait discours, il dit si il gay dans la salle là, viens embrasser. Parce que moi-même, pas de problème avec nous. Nous choisissons ça, nous voulons faire la vie, nous. Et on dit que son extrême droite, dans qui sens l'extrême droite là, chaque fois qu'il prend une décision, il n'est pas d'accord, il recule. Mais, il dit tout, que le son nègre qui va le nettoyer pays à deux bandits, il dit tout, que le son nègre qui va le nettoyer pays à deux politiciens corrompus, et depuis le monté 1er janvier, la bourse du Brésil a éclaté. Il mettait le grand juge, que je t'ai parlé nous ça déjà, Sergio Moro, qui tape couru derrière tout volé dans le pays, il a fait un nettoyage. A pression dans le Brésil que pas jamais fait dans aucun pays du monde son exemple mondial et depuis monsieur c'est peuple là qui vote pour lui c'est peuple là qui te veut jeunesse là qui te veut parce que était quoi dans lui malgré la presse continuer frapper l'a continuer monter bien entendu pas que homme parfait pas obligé d'accord tout ça le dit tout ça le fait même d'accord 75% de ça le dit et ça le fait vous pensez que c'est ça qu'Haïti besoin je pense que Haïti besoin un homme gentil mais ferme. Un homme fort, mais on est qui démocratique, qui dit tout le monde parler, qui dit tout le monde dit ça vous voulez, ça vous pensez, mais en même temps tout, un nettoyeur de vagabonds, un nettoyeur de bons goumen. De pour son bon goumen, vous autres font pile quoi blanc pétro-caribé, ou sont volés pays à pauvre, goud la déjà à 80%, alors monsieur Sayo, c'est violer au violon pays, c'est craser au crason pays, l'île pour tout le monde mettre ensemble, classe moyenne, classe élite qui perd du cobliya, sont 20, 30, 40, 50 mounes qui font vagabondage ça. Alors, est-ce qu'on paye 10 millions de mounes qui font 50 vagabonds? Alors, on va là, pas j'aime changer en Haïti, corruption, tout là. On a dit même bagaille là pour le Brésil. Ils ont prouvé que les hommes les plus riches du Brésil, les banquiers, les sénateurs, les ministres, ils ont pris tout et ont arrêté sans arrêter et la démocratie a continué de plus belle au Brésil. Plusieurs fois, vous citez le mot bon goût. Ouais. On connaît, puisque c'était dans les tribunaux, où il y a une guerre entre les satis et les dibs. Est-ce que je me trompe? C'est pas une guerre, nous sommes associés. Tout le monde connaît, il est clair que c'est faussé, c'est volé, je ne vais pas prendre deal. Et moun ki evle la kayo. Ou moun ki evle la kayo, moun ki te bon zanmi yo, ki bon kout kout ou lando, tout moun kon sa. Tout moun kon son bon farceur, il a été prouvé, yo admet li tout. Lan tribunal, li a l'écrit li tout côté, c'est public record. Mais yo tellement fait là, j'en en mauvais condition, bon ben, m'a compris en Haïti tout. Haïti c'est seul pays qu'autende que poisson mange spaghetti, cochon mange spaghetti. C'est le seul pays qui a vendu une lettre. Il y aurait le bon goût. Bon goût, vraiment, en Inde, veut dire voler. Il a vendu une lettre qui n'est pas lettre. Depuis 15 ans, son poudre blanche liée à de l'eau, il a arrêté mettre fabrique là au Pérou, Gloria. Il a passé devant le Congrès péruvien, il a tout YouTube, il a tout de tout côté. Gouvernement dominicain suspend lettre là. Gouvernement panaméen suspend lettre là. Nous mettons sur Facebook. Tout ministre haïtien, il n'a pas jamais dit rien de ça. Qui j'en pour un petit compagnon comme ça? L'on pays comme ça,
Et m'a dit clair, ou rive dit qu'on vend 350 millions de dollars américains par an, et pour dire que vous payez plus de taxes dans le pays. Mais si vous payez plus de taxes, vous avez combien de taxes vous payez sur 350 millions de dollars? Si vous dites qu'on fait 8 600 conteneurs là, ça veut dire près de 700 à 800 conteneurs par mois. Tout côté, c'est où? Mais qui j'ont réussi à faire? Alors, ça, est-ce que c'est un exemple d'une société privée qui a utilisé Kobli pour acheter influence dans le gouvernement pour pouvoir continuer à faire travailler? Est-ce que ça, c'est. Oui, ça, c'est nous connaissons. Nous connaissons les corrompus du monde, nous connaissons que tout sénateur, comme député, tout ces corrompus, ils ont là mes bon goût, famille au travail, leur bon goût. Nous connaissons ça, sont bon goût, même les gars. Mais tout le monde perd parce qu'ils ont peur qu'ils aient un contact avec la police, qu'ils aient un contact dans le Parlement. Alors, ils ont même compris que ma tête, ils ont venu, ils ont mis un procès, ils ont mis un procès contre moi pour être éliminé. Et quand ils ont gagné le premier procès, hein, c'est un abus. Tout le bagage coulé, mon monde comprend qu'il vient à l'argent et puis il met un procès de diffamation. Regardez, ça, c'est ça qu'on appelle. Il finit perdu, il fait appel et il a perdu encore. Parce que le bon droit est de notre côté. Même pas de vin là pour me déparler de mon goût, mais comme moi tout parler de lui, nous pas quitter deux, trois bandits. Bien habillé, a dirigé un pays, a foncé un pays à l'entrou, a violé un pays. C'est son viol les autres fesses, Haïti là. La raison que nous parlons de ça, c'est parce que la corruption gouvernementale, il n'y a pas fonctionné avec le gouvernement seulement. Là, pour que le gouvernement fonctionne, pour que la corruption fonctionne, il faut qu'un secteur privé avec le gouvernement qui ensemble joue un moyen pour que vous fait cob. Et qu'est-ce qui a perdu dans le ça? C'est peuple. C'est vrai ou pas? C'est vrai. En Haïti, sous une compagnie honnête, malheureusement, difficilement, une compagnie honnête qui a réussi en Haïti parce que il y a toute une série de lois pour empêcher Haïti pour qu'il baille l'argent pas en bas. Leslie Payan, auteur, t'a dit dans le livre que moi, t'a dit dans la radio Haïti, il faut être très, très courageux pour être honnête en Haïti. Difficilement. Parce que, soit blanchi l'argent, on doit dire la vin sou, et puis le bon 1 million de dollars, et puis le dit ou, remettre 800 000 dollars. Mais on est moins à l'aise, 4 jours on fait quoi? Ou déjà fait, faut que les grands compagnies pour qu'elles fassent ça, pour montrer ces business, soit fait, ou déjà fait 200 000 dollars, déjà en partant. C'est-à-dire que, moi-même, quand j'achète un produit à 10 dollars, j'ai employé, j'ai taxes, je vais tout bail faut me vendre à 13 dollars pour moi si ma finalement je vais payer toute dette moi tout bagage me payer pour produire ma réussi font 5% ma font 2000 dollars sous lui pour me faire toute opération ça mais là m'a vendre moi m'acheter la 10 dollars tout acheter la 10 dollars mais elle vendre lui même à 10 dollars mais le coûte 8 dollars en réalité nèg là déjà fait 2 dollars en partant c'est pour donner ça ouais que pas de compagnie en Haïti la plupart de compagnies en faillite une vraie compétition. A gen compétition. Puisque sous le monde depuis un partant, de pour une compagnie a fleuri en Haïti en pile, il faut commencer à poser cette question. Qui j'ai compagnie ça a fait fleurir et puis craser toute l'autre compagnie? Il faut qu'il y ait une corruption quand même. L'on pose cette question. Mais qui compagnie qui est dans Petro-Caribé? Petro-Caribé avec politiciens, il n'y a pas de fête sans compagnie. Il faut que le secteur privé, cap dans ses collés à secteur public, là. Mon cher, ma bosse, par exemple. On va dire simple. L'État confisque un bagage. Soi-disant, il confisque un bagage pour vendre. Disons pas là pour 1 million de dollars. Moun qui est pour vendre, il va vendre pour 300 000 dollars. Soi-disant, au moun, il met 300 000 sous côté pour lui, moun n'a bénéficié déjà 400 000 dollars. Alors, pas gain ou pas qu'à gain blanchiment d'argent, sous pas gon secteur privé, capé d'eau blanchi l'argent. Ou pas qu'il y a un politicien qui soit volé dans le Petro-Caribé, bien volé, qui fait une crasse dans le pays, une crasse dans le peuple, mais il faut qu'on côté pour le bail, ou pas qu'il arrive sous nom comme président, ou pas qu'il arrive sous nom comme ministre, ou le mettre comme là à la banque. Ou leur font faux compagnie, ou leur va le côté, yon là, monsieur, ça va pour dire, monsieur, passez comme là pour moi, non. Et puis il y a passé comme là pour vous, parce que vous avez bon, puis l'avantage. Par exemple, vous avez un kit.
y a un kit pour tout le monde. Tout kit est en état de vendre. Si pas là, tu vaut 10 $. Il vend l'étal 75 $. Sous motocyclette, tu vends 20 ans. Il vend l'étal 5 fois la valeur. Fait plus. Mais nègre a fait quoi oublier et puis il baille le président quoi parle. N'a pas une petite pause, mais il faut m'ajouter que malheureusement, personne n'a offert rien pour blanchir. C'est pour ça que je n'ai pas 5 ans. Si vous êtes politicien, vous n'avez pas quelqu'un pour blanchir, relève-moi. Parce que j'ai besoin de quoi. Je viens après le message. Ça. Moi, c'est Claude Moncousseau et moi, je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme. Tant que Nouvelles Aventures de Languichat, Ritounel, Tolalito, Soleil des Îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Jeudi, je suis très fier pour annoncer que, avec Roku, ou après IT TV tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tout côté. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent 29 $. Vous payez ça une seule fois, mettez-le sous télévision et vous avez besoin d'IT TV Box. Là-dedans, vous avez besoin de 10 chaînes de télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24 sur 24. Pas coûter à rien. Ou bien entendu, avec Roku et Internet, vous avez IT TV Box, qui a 10 chaînes de télévision, 15 chaînes radio, gratis, tichier, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954-449-2521. Merci. Nous tournons pour deuxième émission de Mosaïque. Pas oublier, encore une fois, nous sous Roku, Google App, ça veut dire que tout côté où il est, que ce soit en Alaska, en Haïti, et Saint-Domingue, New York, tout partout, vous pouvez suivre la télévision ça. Vous pouvez regarder nous peut-être sur YouTube qu'on y a là, vous pouvez regarder nous directement sous Google App ou alors ITTV Box. ITTV Box, vous pouvez avoir 10 chaînes de télévision, 20 chaînes radio, et c'est comme ça que ou ap gen une vie vraiment beaucoup plus riche là où gen accès à tout bay sa yo. On continue, Georges, parce que nous pensais que effectivement nous t'ai parlé de le futur, nous parlé de 2019 qui s'adapte à nous. On parlait de que prédiction. Ou t'ai prédit ou t'ai dit que le gouvernement d'Haïti a gen problème. Est-ce que c'est une prédiction qu'on a fait que monsieur ou pensez que Moïse a fini le mandat? Bon, même pas quoi que Jovenel Moïse a fini le mandat parce que je pense que le peuple a très, très satisfait. La situation économique grave. C'est insatisfait. 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 Okay. La situation économique qui est très grave en Haïti. Et M. Sotfond, l'autre, et voilà, Kouléa, qui est encore plus grave, il voté la LOEA contre le Venezuela, qui a beaucoup aidé Haïti. Et moi, que peuple a vexé en pile. Venezuela a vexé en pile, mais M. Maduro dit que le pas un problème à peuple haïtien était son peuple humble, son peuple noble, ses présidents sont esclaves des États-Unis. Maduro a un problème. Maduro a un gros problème parce que en qu'on te considère comme un usurpateur, en qu'un pays de l'Amérique et de l'Europe pas reconnaître deuxième mandat là comme président. Mais où est que le président de la Chambre monsieur le Wang Gayado déclaré que c'est lui le président Goulier, hein? Président de la Chambre, parce que lorsqu'on vacances présidentielles, c'est comme en Haïti, c'est le président de la Chambre qui prend pouvoir. Monsieur le Wang Gayado, monsieur a 38 ans. Et les États-Unis reconnaissent monsieur comme président, le Brésil reconnaît lui comme président. Et Mbaraki Jamaduro Kakembe, parce que il a la Colombie, le Brésil, le Pérou, l'Équateur, l'Argentine, tout pays, contre lui. Seul pays il gagne avec lui, c'est la Chine, la Russie, Cuba, Nicaragua et Bolivie. Mais je ne crois pas qu'il gagne chance. Alors, Guaido s'est demandé là le 23 janvier, qui sont gros dates au Venezuela, pour le peuple à mobiliser pour mettre Maduro dehors. Comme dictateur. Alors moi, je pense que... Peut-être que Jovenel n'a pas fait une erreur. Non, ils font une erreur. Si parce monsieur que, a tombé. Regardez, ils font une erreur simple. Premièrement, la Chine n'a pas fait une fanatique Jovenel Moïse. Net.
La Russie pas fini remen net non plus. Mais ou gen tout que ben ça k'ap viv an Ayiti et ce service secret cubain très solide hein. Et on pas prêt te garder monsieur comme ça et ni vénézuélien tout, yo pral chercher au même tout et balancer monsieur. Et puis faut pas comprendre la gauche en Haïti c'est fort aussi. Yo gen monde tout côté et puis la gauche yo toujours comploter eux même, yo comploter 24 sur 24. Yo va même suspend comploter. Alors toute là, toute équipe ça moi dit nous on va comploter contre Jovenel sans compter monsieur de la droite qui pas fait un goutte, sans compter monde qui compte lui, sans compter goutte là qui a dévalué qui pas en faveur et puis américain tout, l'on pas gain monde là go. Américain pas obligé qu'un beau le peuple pour compte. Ça c'est prédiction pour Haïti. Ouais. Qui genre on vient sur l'Amérique latine. Nous parler de Venezuela, nous parler de Brésil. Est-ce que ouais l'autre pays dans l'Amérique latine cap gen problème ou cap avancer cap devancer les autres. Bon, yon l'autre pays que me pense que pas gen gros problème qui déjà grave situation c'est Nicaragua parce que Ortega qui te goumen contre Somoza qui était de l'extrême droite, Ortega soi-disant de la gauche et monsieur voulait perpétuer tête li dans pouvoir. Alors on paquet Nicaraguayen qui déjà mouri, manifestation faite sans arrêter, tout le monde contre Noriega et avec les grands acteurs de ce mouvement comme gros pays comme les États-Unis, yo pas dans ce coup-là, monsieur. Ou gagne Brésil, qui sont puissants tout, avec Bolsonaro. Bolsonaro pas refusé recevoir le yo mettez-le comme président le 1er janvier. Il refusé recevoir ni Nicaragua, ni Cuba, ni. Tous les sont anti-socialistes, anti-gauchistes. On lit radicalement parce que son nèg de là, on met le théier, puis le thé là, le l'armée des points pouvoir en 64. Alors, les compte tout ça, bon petit socialisme là, Dani, les compte les. Enjamber l'Europe, est-ce que vous voyez que France a sorti non côté. Vous pensez que Macron a sorti non? Bon, moi-même, depuis au début, je me suis dit que Macron, c'est Macron le con. Son con, monsieur, c'est grand bac qui a été mis. Je me suis dit son nec folie, son monde faux, je continue à penser qu'il est faux. Et que au monde va arrêter. Même pas qu'ils font hypocrisie pareil, au mari maman. Ouais, que au mari a plus que maman. On a mes dollars pour proposer ou une love, moi-même. Moi, j'aime les femmes mûres, parce que c'est gentil, monde. Mais mon cher, ça, même ça, trois murs. Vous comprenez ça, mes dollars. Alors, il était là pour l'implanter, sa banquier, était vlé. Mais le peuple a commencé à courir derrière lui. Je pas dit qu'il a jeté lui. Même dit que il y a un problème et il a continué à un problème parce que toute la presse internationale qui était besoin fait nous valer Macron et ben coup là il a commencé ouais que Macron moun pas valer bagaille encore parce que allez que le monde pas occuper la presse yo pas occuper la presse mainstream media moun yo coup là gen WhatsApp yo informé avec une presse alternative ou regarder l'autre petite presse ça a dit et pour moi pour tourner sur ça. Pour qu'on sache vraiment qu'à passer pour faire une analyse, faut lire tout le monde. Faut lire la Russie, faut lire la Chine, faut lire le Brésil, faut lire les États-Unis, faut attendre yo, faut attendre Fox qui a bradoté, faut attendre CNN qui a bradoté, MSNBC, ABC, CBS, Washington Post, tout sont bons radoteurs. Et, et Mosaïque. Vous pouvez continuer. Mosaïque sont petits, lui-même dit vérité à Joël, il n'y a pas de bah, si vous personne, vous ne pouvez pas toucher pour ça. Et puis aussi, il faut m'ajouter, moi, pas journaliste. Pas jamais accusé de journaliste. Journaliste, c'est moun qui a l'école. Moun qui a l'école, qui a un diplômé, yo carré les têtes, les journalistes. Moi, pas journaliste, moi, juste un nègre qui a une station de télévision, qui n'a pas un corps pour payer un vrai journaliste pour venir chita là, ça m'a fait moi-même. Mais vous pouvez continuer. Bon, moi-même, moi, parce que. Sur Macron, à Kembe, vous pensez? Bon, d'après la loi française, normalement, l'obligé Kembe, mais là, il y a un problème. Yo pas vraiment. Bon, peut-être le gouvernement lui a tombé, parce que c'est ça qu'il a fait. Il a changé Premier ministre. Bon, ça n'est pas important, moi-même, je ne vais pas m'occuper eux-mêmes. Ça, pour nous occuper vraiment, c'est la Chine. Parce que la Chine a poussé à une vitesse. Ben, on parlait de la Chine. On a parlé de la Chine et des États-Unis. Il y a un trade war, Kounyana, que Trump a commencé. Si j'en pensais ça, fini. Bon, moi-même, je pensais que nous venons un monde multipolaire. Où là, nous avons des puissances, nous avons la Chine, les États-Unis, la Russie, nous avons l'Inde qui a monté à toute vitesse, tout le taux de croissance enragé, parce que nous avons un gros leader. Il y a les Narendra Modi qui très bientôt pour visiter les Caraïbes.
Et nous avons le Brésil, qui a moins de 10 ans, pour voir que le troisième ou quatrième économie dans le monde, troisième ou quatrième puissance du monde, parce qu'avec nouvelle équipe, ça a mis un ministre, c'est la première fois au Brésil, ils ont mis des ministres techniques. Ils ont pas mis des ministres parce que les hommes tels, les hommes tels, ça finit, bagaille, ça, c'est des hommes très, très compétents. Et on a cinq puissances, qui ont monté en flèche, et puis on l'a bail pour tout le monde qu'on est. Requin, pas manger requin. Alors, les États-Unis avec la Chine, les États-Unis vont l'obliger à diviser le pouvoir à tout le monde. Ils ont fait 30 ans, seul chef, seul maître, fait salver, ça finit. Couléa, ils vont séparer gâteau entre eux. Alors, comme requin pas manger requin, l'Américain met, les États-Unis mettent palais, la Chine mettent palais, mais ils ont fait deal pas en bas, bon, bon manger ça, bon manger ça. Et vous le temps de tout d'un coup, ils disent, bon, ils entendent, et puis bon, tout bas est fini. Ça, les dévier l'attention. Donc, on y a là, nous, 2019. Ça veut dire que. Comment est important pour nous dire tout, que, entre parenthèses, immigrants dans le pays, ça, nous n'avons pas besoin de peur. Tout à fait, Abdou, contre les immigrants, c'est pour faire vote. Ils ont besoin d'immigrants, sont nécessité immigrants, parce que tout même petit immigrant qui fait aux États-Unis, ils n'ont pas voulu aller dans l'agriculture, ils n'ont pas voulu aller ranger cabane, ils n'ont pas voulu nettoyer la terre, ils n'ont pas voulu nettoyer la salle de bain. Bon, c'est des jobs qu'ils n'ont pas voulu. Ils ont besoin d'immigrants pour récolter tomates, pour récolter laitue, pour récolter du comme ça, de sa raisin, tout bagaille ça. C'est pas à faire mon yo père, on est tout le monde illégal dans le pays, c'est eux qui t'es entré, ils ont côté yo. Et si vraiment ils voulaient mettre illégal dehors, c'est simple. Il y en a pas tout bus capable de descendre à Miami Beach là, dans tout hôtel yo. Ils ont rempli à mon dans hôtel yo, parce que tout hôtel aux États-Unis, c'est immigrant illégal. Qui l'a dernier? Vous comprenez? Il y a des grands plis là. bichos. Ils ont fait même à Miami Beach un jour le matin. Ils ont compté ça. Très bien. Ils ont compté tout ce qu'ils ont fait. Ils ont contrôlé le téléphone. Ils ont contrôlé tout le bagage. Alors, ils mettent là un bus et puis ils voient la porte là direct. Mettent une bonne affaire. Affilé, vous voyez aller. Mais c'est sous bluff. Ils ont pris un peu de monde. Ils n'ont pas besoin d'inquiéter. Ils n'ont pas besoin de personne aller. 11 millions, ils ont joué un papier pour rentrer dans la famille américaine. Non? Qui sont bien normales parce qu'ils ont contribué à travailler aux États-Unis. Ce n'est pas monde. Qui viennent. Non, alors pas occupé ni républicain ni démocrate, qui a dit ça depuis Diop de Caporal, qui a bluffé. Nous mettons relax, fait travail nous, tout le monde va marcher. Est-ce que vous avez, au niveau du côté démocrate, un candidat qui a fait face à Trump? Oui. Qui est-ce? Une jeune dame, une belle dame, qui est le Tulsi Gabbard. Okay. C'est un militaire américain de l'Hawaï, c'est Hawaï le sorti. Il était alors deux fois en Irak, il était au Yémen. Et son dame, il n'est pas dans ses colonies, il est démocrate, c'est démocrate lié. Il était dans le DNC pendant l'élection, il a appuyé Bernie Sanders. Mais l'équipe Clinton a volé l'élection, hein, un démocrate là, il demandait démission. Mais son fils, pas. Il n'y a pas de plume sous l'angle. Il dit sale pensée et démocrate n'a pas remis. Et les sénateurs, les congresswomen, les députés. Et démocrate n'a pas dans ce cas-là, ni républicain, tout. Mais il a déclaré semaine dernière que les candidats à la présidence. Pour me dire, nous fions tellement de graines, jusqu'en Syrie, il a visité Assad pendant la guerre faite là, il a parlé à monsieur. Il compte toute forme d'abus. Son fils parlant, c'est j'ai l'impression que là, il y a un pile républicain et un pile démocrate voté pour lui. Plus je parle contre lui, et tout le monde qui a voté pour Bernie Sanders, parle pour lui déjà, garanti. Mais il y a déjà 30 candidats, soi-disant, à la présidence. Moi, je connais, je vais essayer de bloquer lui, mais j'ai l'impression que ça, d'Amérique a changé, il n'y a pas de bloquer. S'il n'a pas réussi en 20, il a réussi en 24. Oui. Parce que normalement, ce n'est pas toujours la première élection qui va passer. Mais moi, je pense. Que les gens ont pile chance en 2020 parce que les gens commencent à garder. Ils ont annoncé la grande pompe que le candidat. Mais bien entendu, CNN, ça a le Clinton News Network là, avec MSNBC, ABC, tout le monde ne savait pas les mettre parce qu'ils ont fait pas la race. Elle ne va pas prendre l'ordre de même lui-même. C'est pour un épouvantail lié. Alors, moi, je pense que Tulsi Gabbard, G-A-2-B-A-R-D, des petits descendants indiens, mais les derniers sont nos français. Gabar.
Eh bien, j'ai l'impression que c'est la première fois que je me dénonce ça. Première fois, et si Fia a monté vraiment, ou qu'a dit que c'est Georges qui vient avec ça, c'est pour ça m'inviter Georges. Tous les 2, 3 mois, on va appeler Georges si tu es avec moi là. Parce que d'abord, il est intelligent. Il peut te manger avant de venir. Il peut te un bel petit plat, n'est-ce pas? Maï Moulin, Yes, il peut à te un légumes. bel. Exactement. Il vient avec. Là, il vient avec ça, on connaît, il connaît que là, j'ai une interview quand même. Georges, un dernier mot pour 2019, qui ça ou qu'a Bon, dit moi-même, nous? moi, quand je dis pour 2019, là, je pense que c'est le plus positif pour tout le monde. Moi, je pense que ça qui a passé dans le monde là, excellent. Et nous allons vers une pile révolution mondiale dans le monde. Et je pense que c'est un bon bagage parce que nous avons une minorité infime. Par exemple, aux États-Unis, il y a 50% de biens pays. Et dans le monde, nous avons une minorité infime qui contrôle le monde. L'île, le temps pour bail, ça a fini. Et je ne dis pas que faut l'État faire tout le monde cadeau, tout le bagage. Même dit comme ça que faut l'État et son sorte d'arbitre pour pas quitter certains requins manger trop de poissons, c'est comme vouloir pêcher trop. Et pour finir, poisson, de temps en temps, il faut calme à l'empêcher pour quitter poisson, Au fait. on reprend. Mais moi, parce que tout ça qui a privé, nouveau monde, dans son bel nouveau monde, et puis nous pas jamais une génération aussi intelligente, aussi belle, aussi. Toujours, toujours, oh, la nouvelle génération, pas bon, ça nous détendait toute vie. Mais moi, je pense que la nouvelle génération, des gens qui sont extrêmement intelligents, et cool, ils ont regardé, ils ont inventé des téléphones, ils ont inventé toute Ouais, qualité ça me dit, ouais. technologie, mais pas jamais bon, bonne nouvelle, gros développement qu'on a fait dans la médecine. Et puis, cool, les gens ne sont pas péter les gens encore. Longtemps, on a fait ce qu'on voulait, il y a 200 ans de ça. Les gens ne connaissent pas, mais cool, tout le monde compte tout le bagage à la minute. Exactement. Avec ça, génération ça a bien plus accès à Bon, moi-même, l'information moi, servi pour à l'autre chose. ça, c'est Xiaomi. C'est même bagaille avec Samsung. Seul bagaille, Samsung là, 20 000 dollars, ça a plus bonne qualité, le 250 dollars, sur eBay à Amazon. Vous entendez? Alors, on l'a de bagaille. Je vais remercier. Oui. Bon. Fumdio, merci d'être venu. Merci pour le Maï Moulin. Et m'espérer que tout va marcher pour Anessa. Même message pour tout le monde. Pas oublier, ITTV, Lila, là-bas où, dès que nous sommes capables, des gens intéressants pour avoir des informations, j'espère qu'on apprécie. Et n'a pas invité à venir suivre nous Bon, encore. merci parce qu'on a invité moi. Je souhaitais que l'on mette sur YouTube, qu'on voit le WhatsApp pour un peu le monde, Et sur par email pour un ITTV. peu le monde. Et moi, merci à tous les techniciens qui aident au fait programme là, qui travaillent voilà. C'est des hommes dédiés, des hommes qui sentent sympathiques, qui font bien. Et puis, moi, Malgré que merci au public là, tout qui a accepté que nous rentrions la Cali pour le temps de ça nous répondre, même si on est d'accord ou pas d'accord. Mais au moins, ils permettent nous dire ça nous envie de dire ça nous pensait qui est correct. Si nous pouvions prouver nous, que nous avons corrigé les bagailles, mais merci beaucoup. personne pas toujours gain toute information de tout ça, mais nous on a fait effort pour partager ça nous pensait. Merci en pile, Georges. Mes amis, semaine prochaine, j'espère que vous avez une autre émission aussi intéressante. À la semaine prochaine. À bientôt.